Tout le monde a rendu? Non, je vous l'envoie de suite. Ouais, non, mais laisse, tranquille. Bon, en tout cas, Anna a déjà des très belles choses. Bravo. On va passer à la deuxième question. Alors là, qui sera un tout petit peu plus corporate. Et après, on aura un petit jeu encore tous ensemble. La question, je vais vous l'afficher. Vous devez la voir apparaître. Comment pourriez-vous illustrer votre expertise professionnelle? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui vous rend si unique? What makes you different as a professional? Pour les Allemands. And the question, is it as a personal point of view or is it fit retail? Moi je dirais professionnel. Après on parlera fit retail, mais moi pour ce qui m'intéresse c'est vous, vos qualités à vous. Personnel en fait. Oui. À titre professionnel mais à titre personnel, c'est ça? Oui, bah qui doivent quelque part servir fit retail. Ou qui doivent vous servir chez fit retail ou qui doivent servir fit retail. Okay. Mais moi ce qui nous intéresse c'est vous. Oh là là. Drinking beer is not a... ça peut être une particularité si vous avez un client qu'il faut suivre par exemple. Ça arrive parfois. On peut essayer de dessiner, illustrer son expertise. Par exemple, essayer de faire deviner son expertise. C'est possible. Dis donc, dans Paint, c'est balèze, hein. Non, mais alors, si ça vous paraît compliqué, c'est qu'il faut faire vraiment des éléments hyper simples. Vraiment, là, vous avez encore essayé de faire des illustrations et tout. Vous pouvez faire vraiment des symboles, des pictogrammes. Vous colorez des cases, c'est facile à présenter. C'est notre boulot, heureusement. On peut faire des choses abstraites. Vous pouvez faire de l'abstrait. Parce que moi, je comprends. Globalement, je comprends pas grand chose à ce que je fais, donc si je fais des choses abstraites, ça pourrait être. Vous pouvez faire de l'abstrait. Laure, t'as l'air hyper concentrée. Oh, mais non, je suis en panique totale, tu veux dire. Moi aussi. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'en va-t-on faire? Manu, tes blagues, ça fait pas partie de ta profession. Et why not? Jokes. Jokes. Joker. Le Joker, ouais. On voit que ça cherche à s'influencer mutuellement quand même un petit peu sur les plates. Non. Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer à nouveau. Momar avait disparu, non? Ouais. Momar est en train de revenir avec nous. Et j'ai reçu le dessin d'Emmanuel. Oui. C'est ça? Ma première question. Oui, ah, exactement. D'accord. Oui, pardon, la première question. Ah non, il y a l'arrache en fait. Non, mais j'ai rattrapé le temps. Il a rattrapé la situation. Exactement. Donc on a 31, hein? Les filles, vous avez tendance à vous tenir la tête, hein, quand même, ça y est. Tu prends la tête, oui. Il y a des bugs dans l'outil, non? C'est pas des bugs dans l'outil. Moi, ça fait, il y a des bugs. Là, pour qui ça marche bien, Alexandra. Paint, c'est un outil récent en même temps, Alexandra. Non, pardon. Non, mais vous n'allez pas cliquer, il se passe rien. Alexandra, on est bien sur la question 2, hein, c'est ça? Ah ouais, c'est moi. Ok. Oh là là, c'est pas très clair pour comprendre mon dessin. Non, mais c'est super. Alors. Comme quoi? J'ai reçu Lisa aussi. Alors c'est rigolo Lisa parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait presque le même dessin pour la première question. Ah, comme quoi. Ça fait des frites. C'est pas grave, tu prends pas des frites. Mais j'ai pas eu de frites à la première question. Ah mais tais-toi Anna. Non mais on peut pas garder un secret. On a forcément fait des frites à un moment. Ok, j'ai eu un cornet de frites. Alors, okay. Super, j'ai reçu Nathalie. Et les filles, vous êtes plus certaines de vos compétences que les garçons quand même, hein. Il y a que des filles qui ont... Je suis un peu inquiète. Il y a que des filles qui ont adressé pour le moment. Les garçons, c'est plus pointu. Oui, c'est plus lent en fait, juste. Ouais, la vitesse n'est pas un objet de... Bon, je suis concentré pour le dessin. Ok, bon, je pense que ça c'est bon. Tu es pas content de ton dessin, Elodie? Je sais pas quoi faire. Il y a trop de choses, vous pouvez m'en envoyer plusieurs, hein. Ah bah non, mais déjà je suis nulle en dessin et en plus c'est dur quoi. C'est pas grave, faites-nous quelque chose de très simple. Je vais finir par faire mon bonhomme, hein. J'avais dit que je ferais un bonhomme, un bonhomme, voilà. Je crois que la réputation, la partie de design en prend un coup. Vas-y, pour le faire le bonhomme, c'est pas si simple, hein. Moi aussi, si, quand même. Je sais utiliser Paint. Attends, moi alors sans doute. C'est ta critère de recrutement, hein. Tu fais un rond, tu fais des... Tu fais un rond et des barres, et des creux. Catherine, très bien. Encore des filles, hein. Catherine et Jennifer. Catherine, faut bien penser à mettre votre prénom dans le fichier. Pas sur le dessin. Vous me le mettez sur le dessin, vous. Ah, voilà les garçons d'un coup, là. Alors, Jennifer, Carmel. Je suis pas un garçon, hein. Non, mais les garçons arrivent. Carmel, j'adore le dessin. Ah. Alors, Stéphane, I've got yours. Ah, Thomas,
Benjamin. Après, vous ne trouvez pas ce qu'on m'a fait. Ça, ah bah, ça va faire partie du jeu, j'ai oublié de vous le dire. Ah merde. Alors. Mais non. Maxence. Mais non. J'ai prévu d'imprimer tous les dessins et de les coller sur le mur de l'agence. En façade, hein. En façade extérieure. Tu vas pourrir ta déco, Carmel. Bon, oh, joli, Olivier. Oliver. Laure. Très bien. It's all very different. Emmanuel. Présent. J'ai reçu. Reçu. Martin. Bravo. Adrien, nickel. Oui, il y en a qui ont des super idées. Thibaut, on a reçu. Marielle. Ah, il y en a qui se lâchent, hein. Julien. Philippe, il est parti. Lisa. Sophie. Philippe, il est en grande souffrance. Malheur, Philippe. Ah, c'est pas le genre d'exercice où je suis très à l'aise. Oh, c'est bien, il faut sortir de sa zone de confort. Ah bah là, je peux vous dire que... En plus, j'ai bu la boisson avant, là. C'était ça, en fait, qui m'a coupé le... T'es très en plus droit. C'est un peu... Bon. Allez, on va mettre un peu de couleur dedans, là. Oh, nice. Ouh. Elodie. Ouais, dessiner un dollar, ça va, Philippe, enfin, c'est... Oh, punaise, mais ça, voilà. J'en ai marre d'avoir cette image. Pardon, j'avais pas le choix. Pourquoi t'as dit dollar? T'aurais pu dire euro, Thibaut. Ah, vous allez me le payer cher, j'ai des noms. Ah bah tout de suite, payer, tu vois, enfin, yeah. Tu ramènes tout for à la con, quoi. Sorry for Oliver, Stefan, we were saying, drawing a dollar bill for Philippe is quite easy, so it should be fast. Right. On a le droit d'écrire, c'est plus facile. Ah non, justement. Oh merde. Alors, ah, je commence pas. Nous avons aussi le dessin de Nathalie, de Momar. Non, si, justement, l'idée, c'est d'essayer de faire un symbole très simple au lieu d'utiliser les mots, parce que les mots, c'est à la fois commun et réducteur. Voilà, Philippe, un dollar. C'est une bonne base. C'est facile à faire en plus, même avec Paint. C'est trop dur. Vous voulez que je vous envoie un modèle? Un modèle de quoi? De dollars? Oui. Bon, j'écris quand même, mais à l'intérieur d'un truc, voilà. Donc, voilà. Hein, puis j'ai... C'est à prendre ou à laisser. Ouais, ah, c'est un peu ça en fait. Mais oui, tu peux pas respecter les règles un peu, comme tout le monde. Non, tu me connais, non? Bah oui, c'est... Quand on met des règles, c'est un process. Oh, c'est horrible. Allez, hop. Alors, Valentin. Je peux mettre un autre nom en l'enregistrant, hein. Je mets pas mon nom. Hein. Ah, Valentin, c'est complet. Ah, mais Alexandra, elle a de l'aide. Ça compte pas. Elle a l'aide de qui? La famille. La famille. Ah non, mais on a des stylistes modélistes dans l'équipe, c'est pas juste. Hein. Des fois, on fait participer la famille, ouais. Maxime. Ah, vous avez graché un peu, donc vous êtes bien arrivé, hein. Et tous ces dessins vont se retrouver dans la même fresque, les premiers et les deuxièmes? Oui, oui. Je vais vous montrer après comment ça va fonctionner. Je pense qu'il y en a, c'est vraiment pas possible, hein, bon. Ah, vous verrez. Est-ce qu'on peut faire une vraie fresque et une pour les toilettes? Ah ouais, c'est pas mal, ça. Vous verrez, ça se fera automatiquement. En fait, c'est un peu comme de la... Vous êtes les chirurgiens esthétiques du dessin, en fait. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un est encore en train de dessiner? Oh ouais, just finished. Oui, moi, je suis encore en train de dessiner. Je vous laisse faire. Alors, j'ai 27 dessins. Ah, donc, on doit avoir tout le monde. Je fais le tour de la liste, j'ai Adrien. Philippe. J'ai vu qu'on accueillait un Pablo Picasso ce soir. J'ai vu ça dans mes... Ouais, dans mes c'est plutôt Pablo Escobar, je pense. Je dis ça, je dis rien, mais... Allez. Donc, est-ce qu'on a reçu le dessin de tout le monde ou est-ce qu'on attend encore un dessin? Bah, il y a les enfants d'Alex qui vont faire des dessins, je pense. Donc, Ah, ils peuvent, hein. Ils peuvent m'en envoyer. Je suis en train d'enregistrer, je vous l'envoie. Ouais, parfait.